pour cette spéciale Saint-Valentin. Merci d'accueillir Olivier Clara. Ouais. Et il est temps de faire connaissance avec Olivier Clara. Olivier Clara, vous êtes en couple, vous avez 4 enfants, vous êtes une famille recomposée. Et je tiens à dire que juste avant le début de l'émission, je suis arrivé sur le plateau, je vous ai reconnu. Car on a eu la chance déjà de faire une émission ensemble, oui, qui était le Big Show, où on a vécu un moment particulier. Olivier, vous étiez venu sans savoir que Clara, vous avez préparé la surprise. Clara, vous avez un fils qui s'appelle Enzo. Kenzo. Kenzo. Et Kenzo était venu vous demander, Olivier, de l'adopter. Absolument. Et je me souviendrai toute ma vie. Je me souviendrai toute ma vie de ce cri que vous avez fait. Oui, oui. Qui m'a marqué, c'était tellement joli. Je suis très très content de vous revoir. Vous attendiez à vivre un moment comme ça de la part de Clara, cette surprise incroyable? En aucun cas. Et du coup, à chaque fois qu'elle me dit d'aller quelque part, je méfie maintenant de là où elle m'emmène. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à l'émission aujourd'hui? De pouvoir challenger la championne. Ok, c'est une émission qu'on regarde à la maison. Bah, c'est plus facile pour moi, je suis en télétravail, donc tous les jours, un petit coup sur l'émission pour se cultiver et apprendre. Très bien. Olivier, tu peins des tableaux, tu nous as ramené des petites photos. On va pouvoir découvrir 2-3 tableaux, ton travail. Je vous en ai même ramené un vrai ici. C'est vrai? Oui, je me suis permis... Mais il est où? Ah, mais le voilà, qu'on amène le tableau, allez-y, venez. C'est un tableau horloge? Oui, voilà, pour allier l'art et le temps. Oh, c'est super joli, mais est-ce qu'elle marche l'horloge ou c'est un fake? Oui, faut mettre une pile quand même. Le mec vient, mais il n'y a pas de pile. Ah, petit budget, il n'y a plus, il y a l'autoroute. Non, mais c'est super joli. Merci. Bon, en tout cas, je serai toujours dans le bon tempo grâce à vous. Mais c'est vrai, mais vous avez d'autres cadeaux. C'est Noël, en fait, c'est pas la Saint-Valentin. C'est le mec qui est tout seul avec son panneau, oui. Des petites spécialités du Nord. Oh, mais c'est trop gentil. Oh là 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 là. Mais merci, les amis. Avec la participation de Mamie Valoche. Oh, mais merci, Mamie Valoche. Qu'est-ce que c'est que c'est? Des bêtises, voilà, du pain d'épices, de la terrine aux endives. Je ne sais même pas que ça existait. Hop, non, non, du groseille, des gâteaux en haut, voilà, des chocolats en forme de suppositoire. Mais non, c'est des endives. Ah, pardon, c'est... Des chicots. Ah, c'est des chicots au chocolat. Ah, ça ressemble à des suppositoires, et non? Et un maroilles. Et un maroilles. Oui. Ah, c'est que ça, le maroilles. C'est ça, le maroilles. Oui. Il faut absolument pas que j'enlève de son emballage avant d'être dans un... Ah non, il y a ça. Surtout pas. Mais franchement, merci beaucoup, mille fois, merci. Ça fait trop plaisir. Venez, je vous fais un câlin. Le câlin. Merci beaucoup, les amis. Je suis très touché, merci. Vraiment. Merci d'être là. Voici la première question, on écoute. Chante ce tube des années 70. Duo Carré Cash. Carré. Ah, vous mettez pas d'accord, c'est... Ok. Carré, Whitney Houston, Nina Simone, Donna Summer, Ophélie Winter. Donna Summer. Left and left, baby. Et oui, c'est Donna Summer. J'ai eu chaud. Voici la deuxième question. Dans quelle émission des années 2004 couple devrait-il tester leur amour face à 22 célibataires? L'île Carré Cash. L'île de la Tentation Cash. Vous savez qu'on a le temps, hein, c'est pas une course de rapidité. L'île de la Tentation. Oui. C'est la bonne réponse. Ouais.